assez fort en émotion et puis j'ai jamais été dans un aussi grand stade, donc c'est impressionnant. Vraiment, c'est génial que les filles se mettent au foot comme ça. Pas forcément qu'un sport de garçon comme on peut le voir. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait venir au foot justement? Parce que ça fait pas longtemps, il me semble. Non, c'est que depuis septembre 2014. C'est parce que j'ai été mal accueillie dans l'équipe de volley et donc du coup, j'ai décidé de changer parce que j'aime bien le sport et mon père a ouvert une équipe cette année de football féminin à Saint-Dié. Du coup, j'y ai été et l'ambiance est super, donc j'ai adoré. Le football féminin apporte de la fraîcheur, c'est aussi le liberté, je crois, dans le gestuel et surtout, ça a un apport, je dirais, de pas de calcul, ça joue spontanément, et dans les règles et surtout dans le respect, c'est qui nous manquait depuis un certain temps. Alors avec cet élargissement de la base, eh bien ça offre des perspectives, notamment au football des petites, pour qu'elles se développent et que les compétitions peu à peu se structurent. Absolument. Ben d'abord, on peut dire c'est 3 millième qu'on vient de célébrer aujourd'hui. Ben on est pratiquement à plus de 3000, puisque les derniers chiffres, c'est 3250 licenciés. C'est en progression, d'autant plus que les conditions climatiques venant, les féminines aussi, et les garçons aussi, il ne faut pas les oublier, vont venir grossir au niveau des clubs. La seule interrogation, est-ce que les clubs sont en capacité de pouvoir bien les accueillir, de bien les encadrer, parce que c'est notre souci permanent, il ne faut pas masquer. Et c'est encore, il faut rendre grâce à tous nos clubs, à tous les bénévoles qui se donnent avec beaucoup de générosité, beaucoup de passion. Il faut les remercier et les féliciter de ce qu'ils font, de ce qu'ils feront. Et puis pour finir, peut-être faites-nous une confidence, il se murmure que la Lorraine pourrait hériter d'un beau cadeau émanant de la Fédération Française de Football en ce qui concerne notre équipe nationale. Absolument, vous êtes bien renseigné. Effectivement, la Fédération, dans le cadre de la tour du Mondial qui va se dérouler au Canada très prochainement, nous a demandé d'accueillir l'équipe de France.